spécial. Nous sommes sous la congrégation du Littoral Impressionnant. Hommage central devant la boutique Grenimal. Vivi nous a donné rendez-vous, certainement vous parlez de Hans, entendez pas là, à nous la sortir. Facebook qui se démarque des autres groupes, de par la qualité de ses prestations, de par la qualité du vivre ensemble qui règne de ce côté, de par la qualité des membres. Alors, suivons bien sûr lui à l'intérieur pour récolter ses impressions et savoir mieux. C'est un plaisir d'accueillir cette conseillère que je vois là. Quelle est la tendance commerciale à présent, sachant le coronavirus qui existe? Est-ce que ça a baissé ou vous connaissez déjà les artisans de retour? Bon, ben, c'est le corona, c'était au départ. Hein. Ouais. Là, non, ça nous a donné un nouveau rythme et puis on s'est arrimé à ce rythme-là. Ok, bon, nous sommes là comme prévu pour notre affaire. Donc, we're gonna do it. Alors, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec Willy, l'un des modérateurs très engagés de Hans, entendez pas là, Ayuna Santé. Bonjour Willy. Bonjour. Est-ce qu'il y a la grosse forme? Très bien, par la grâce de Dieu, tout est là. Voilà. Parce que c'est rare de trouver les Camerounais à présent qui nous disent que ça va bien. Ouais, nous sommes bien habitués sur le quotidien, on ne peut pas se plaindre tout le temps. On a déjà appris à vivre avec coronavirus, ouais. Au point où tout va bien. Normalement. Allez, là, on s'approche. Ouais, c'est ça qu'on appelle esprit positif. Même quand ça va pas, on dit ça va. Ok, nous sommes pour parler de Anou la Santé. Qu'est-ce que Hans en question? Hans est une plateforme virtuelle qui traite des thématiques de santé. Hans a été créé en 2020, précisément le 14 mars, par le docteur Elsa Tic, qui est la présente fondatrice. Ouais. Elle a une équipe de. Des jeunes dynamiques de par le monde entier, dont sont tellement nombreux, je ne vais pas citer. Et Hans, au-delà d'être une plateforme qui traite des sujets de santé, traite également des sujets de social, des sujets qui parlent de la vie. Ouais. Et puis, Hans a aussi cette particularité de pouvoir aider ses membres. Justement, donc, je comprends les jeunes qui fusent de tous les coins du monde entier, les divers horizons, c'est ça? Parce que à t'entendre, on va se dire peut-être que ce n'est que les gens de Fondement Contre-Dame, mouvement de personnes de Fondement Contre-Dame. Est-ce que c'est un groupe de communauté ou un groupe qui rassemble tout le monde? C'est un groupe ouvert à tout le monde dans le monde entier. Donc, on peut avoir les Chinois, on s'est ouvert à tout le monde. J'ai envie de savoir comment faire pour rejoindre Hans, par exemple. Il est très simple. Il vous suffit juste de taper sur la barre de recherche Facebook ANS. Vous verrez à nous la santé. Là, vous vous inscrivez simple, comme on fait dans tous les groupes. L'inscription, c'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit et souvent à toute personne qui a un compte, qui est titulé d'un compte Facebook. Non. Et maintenant, quand j'intègre le groupe, je suis par exemple une personne perdue, j'intègre un groupe Hans, à plaisir. Qu'est-ce qui me fera me fidéliser à ce groupe? Les communications, l'amour, qui lie les membres. On peut faire tellement de bonnes choses, ce qui fait que quand on est à Hans, on s'y plaît. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui est établi, qui est préétabli? Quand on introduit un membre, on présente l'affiche, je ne sais pas. Dans la page primaire, dans la page même d'Hans, les noms des administrateurs et des. Bref, des modérateurs de Hans. Oui, c'est là, c'est affiché. Également, le règlement intérieur. Donc, tout le monde, avant d'intégrer, il prend note du règlement intérieur. Ouais. Donc, c'est là. Tout le monde peut lire à tout moment, il peut voir à tout moment. C'est là, bien établi. Justement, quelles sont les réalisations de Hans jusqu'ici? Bon, vous-même, vous convenez avec moi que Hans, il a encore tout bébé. C'est pas parce qu'il est bébé qu'il ne frappe pas du point fort. Justement. Hans, l'année dernière, a fait un concours de Miss. Miss? Ouais. Qui fut vraiment jamais vu sur toutes les plateformes. Je mets tous les groupes Facebook en défi. S'il y a quelconque, s'il y a un seul groupe qui a essayé la moitié de ce que Hans a fait comme élection Miss,
Et puis, les thèmes, c'était tellement, tout était tellement coloré, c'était tellement bien. Vous voyez, les thèmes aussi, ça permet aux Miss de travailler. Bon, ailleurs, c'est pas ce qu'on voit. Ailleurs, c'est juste les photos. Mais là-bas, c'était, on a poussé les Miss à travailler. Il y a ça comme première réalisation. Entre autres, a fait des bonnes choses, ouais. Des actions tellement fortes. Mais là, on ne les a pas publiées. Il y a des actions qui ont été faites en arrière. Mais là, on ne les a pas publiés. On a aidé des personnes, on s'est aidé des orphelins, on a aidé des personnes. Et puis, il y a aussi ces personnes-là qui souffrent, qui ont des problèmes de santé, qui trouvent des solutions à leurs problèmes via la plateforme ANCE. Sans oublier la méga chica rencontre que nous avons fait le 12 décembre dernier. Une rencontre méga giga terra. C'était du jamais vu. Ouais. Pour ceux qui ont assisté, pour ceux qui Quelle fut la particularité de cette rencontre en question? La rencontre d'abord, elle regroupait plusieurs personnes dans le monde. Il y en a qui ont voyagé pour se retrouver à la rencontre. Ils ont payé carrément le billet d'avion. Vous pouvez imaginer ce que. Billet d'avion. Il y en avait qui ont payé le billet d'avion pour se rendre pour se retrouver. Et c'était un moment de partage, de communion, parce que tout le temps nous sommes dans un monde virtuel. Donc, pour une première fois, la présidente et son équipe ont permis ainsi à plusieurs membres de pouvoir sortir du virtuel et se rencontrer. Il y a eu des activités lors de ces rencontres, comme par exemple en matinée, les marches sportives, les petites rencontres de football. Il y a eu, comme d'habitude, un troisième point. Wow. Après donc, ce fut la soirée inédite. N'était autre que cette fameuse rencontre qui a été longtemps préparée et bien organisée. Bon, la soirée, oui, la soirée en question, qu'est-ce qui a meublé la soirée? Il était question de faire encore élection Miss de la soirée? Est-ce qu'il était question de remettre les prix aux Miss qui étaient déjà, peut-être, je ne sais pas si c'était après sélectionné? Est-ce qu'il était question de. Il y a eu prestations artistiques, il y a eu buffet où on s'est assis pour consommer un peu de l'eau en causant, en disant nous sommes sortis du virtuel ou du réel? Vous voyez, quand vous me posez cette question, je souris. Je souris de joie parce que cette rencontre, elle était magnifique. Puisque il y avait de bonnes personnes. Il y avait des professionnels, chacun était à sa place. Je vais dévoiler un peu ce petit secret aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous regardent là. Ouais. Cette soirée a eu le privilège et l'honneur d'être présentée par le génie. Ah, j'étais là. Le maestro. Le prince du micro H et Super. Donc, c'est lui qui avait porté sur lui de gérer cette soirée. Et elle fut. Magnifique. Nous avions. Donc, vous voyez, parce que on s'est unique. Pas seulement des médecins. Vous voyez, chacun, selon sa profession, essaye d'apporter son mieux pour le bien de tout le monde. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que cette soirée, elle était vraiment magnifique. Il y a eu beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de choses. Les Miss ont été primées bien avant. La Miss, elles ont vraiment été primées. Toutes les trois Miss, elles étaient à l'aise. Et puis, tous ceux qui ont accompagné l'événement, chacun. La soirée, elle était grandiose. La présidente fondatrice a pris sur elle de primer tous les membres, toutes les personnes qui ont toujours été à ses côtés, qui l'ont accompagnée dans l'organisation en question. Justement, elle a fait la prestation, elle. Nous avons eu la prestation des artistes. Des artistes. Des stars renommées. Hein. Non, ouais. Pas n'importe quel artiste. Bien connu. Voilà, donc, qui nous sont permis de saluer déjà Angevin Solo au passage. La pépite. Oui, Angevin, je te passe un coucou et prends soin de toi. Donc, comme je vous disais, il y a eu tellement de plus gays, sans compter le buffet, sans compter la boisson. Vous voyez, c'était magique. Et autour de cela, la présente a pris sur elle. Très prochainement convoquer une réunion pour mieux organiser les choses parce que ANS revient avec de très belles choses. Il y a un travail d'équipe qui est en train de faire par derrière. Je vous promets, pour les prochains jours, vous entendez parler d'ANS. Ouais. Soyez-en sûrs. Malgré que nous soyons encore embryonnaires, vous entendez parler de nous. Bon, quand on dit entendrez parler de ANS, c'est forcément pour les personnes qui ne sont pas souvent dans des autres groupes des réseaux sociaux parce que dans tous les groupes, on cherche à faire comme. On cherche à faire aussi comme. Hein? Ah ouais. Bon, dans tous les cas, j'aimerais poser une question très pertinente. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu les réseaux sociaux, c'est pas aujourd'hui que tu t'es abonné sur Facebook par exemple. Ce n'est pas le premier groupe dans lequel tu es membre.
J'aimerais savoir, est-ce que depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'à l'arrivée du Facebook au Cameroun, tu as déjà eu à voir un groupe comme ANS? Sincèrement. Je vais reprendre la question. Voilà, bien avant ANS, j'ai été administrateur ailleurs. Et des plateformes aussi puissantes comme, comme ANS. J'ai travaillé longtemps en collaboration avec les personnes qui ont créé des groupes. Ouais. Et je travaille toujours en collaboration avec elles. Elles ont créé des groupes. C'était même invité à intégrer leur groupe et à être administrateur. J'ai refusé. J'ai eu tellement avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À un moment donné, j'ai fait carrément 2 ans. Je me suis retiré des réseaux sociaux. Je vais un peu essayer d'accompagner ça. Mets de l'eau à ton moulin. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ont dû se lever un matin parce que nous sommes dans une condition un peu compliquée au Cameroun. Non, partout dans le monde parce que nous vivons la crise. Créer des groupes, s'entendre, mettre l'autre président, l'autre modérateur, l'autre administrateur. Et maintenant, invite des personnes innocentes. Je veux dire des personnes innocentes pour introduire dans le groupe, question de se faire de l'argent. Désormais, tout reste pour les présidents, ça reste pour les modérateurs, ça reste pour les administrateurs qui sont par ailleurs membres de la famille ou encore cofondateurs. Vous qui êtes arrivés, on peut vous sucer comme on veut et lendemain, on vous met de côté. Je parle à ma propre expérience. Je ne sais pas si toi, tu as fait partie des réseaux sociaux pendant 2 ans. Non, vous savez, moi, j'ai un principe. Dans ces histoires-là, quand une tâche m'est assignée, je me concentre sur ma tâche. Ouais. Je n'avais pas du tout affaire à l'argent. J'aime pas trop me payer à l'argent parce que ça finit toujours un jour. Donc j'avais une mission, uniquement ma mission. Moi, ce qui m'a écœuré, ce qui m'a énervé, c'est que quand vous acceptez de travailler, que vous le faites avec un cœur, que vous êtes concentré sur votre travail, il y a des choses que vous n'aimez pas voir et attendre. Justement. Comme elle est déjà fait des sans caleçon. Quand les gens font les sans caleçon, qui restent avec vous. Les coups en dessous. Voilà. Quand ils le font, et puis on vous greffe à cela, ça énerve. Surtout que vous étiez concentré. Alors, quand il faisait des histoires, vous n'étiez pas là, vous travaillez. Donc voilà, moi, ce qui m'a énervé. Bon, en ce qui concerne les sous, je le vois, mais je ne peux pas témoigner ça parce que à chacun son. Je reviens là avec des questions. Le taux de chômage allant grandissant au Cameroun et comme partout ailleurs, n'as-tu pas remarqué que même des personnes, tu n'as pas cette impression, parce que moi justement, c'est mon impression, j'aimerais que tu me dises ton sentiment, ton ressenti. J'ai comme impression qu'il y a des personnes qui, via les réseaux sociaux, forment. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, via des réseaux sociaux, parviennent à exposer et vendre les marchandises. Mais j'ai également la mauvaise impression qu'il y a des personnes qui ont pensé pendant longtemps à faire la prostitution, excusez-moi le terme, et n'ont pas su par quelle voie passer, et qui désormais se réfugient dans les différents groupes WhatsApp, dans les différents groupes Facebook, pour se faire de l'argent ou stocker de l'argent, trouver des garçons pour se constituer en prostitution VIP, comme on parle de thème. Est-ce que tu as cette impression comme moi? Oui, là je pense directement, oui. Nous le vivons tout le temps et notre travail c'est de conseiller ces filles, d'essayer de, je sais pas, tous les jours on essaie de, avec l'expertise que nous avons. C'est pas seulement, le négatif dans ça n'est pas seulement qu'elle expose. Il y a autre chose très dangereux. Ouais. C'est que sous les réseaux sociaux et sous les profils, il y a des sorciers. Ça c'est ce que moi je déplore le plus. Nous en avons vécu. Il y a des gens là qui sont là avec nous, ils causent avec nous. Ouais. Ils ont eu à tuer des filles. Wow. Peut-être on ne le sait pas, mais donc, c'est pourquoi je dis toujours à ces filles, soyez très prudentes. Vos photos, même les photos que nous postons là, c'est parce que c'est une communauté, nous sommes obligés. Vous voyez un peu. Est-ce que quand Willy parle comme ça, quand Willy s'adresse comme ça, parce que je parle, hein, il faudrait qu'on se dise les vérités. Quand Willy parle, on dit les professeurs de Facebook. Tu n'as pas encore eu cette réplique? Les matures, les professeurs. Et c'est, je veux dire, essayer d'apporter une idée importante à une personne et qu'elle te remercie en disant que lui va jouer la bonne vie, si tu veux jouer les moralisateurs, il va aller jouer à la maison. Tu n'as pas encore eu cette réponse? Bon, avant, avec l'ancien monde que j'avais bloqué, j'avais presque une grande partie du monde avec moi, les gens qui avaient des problèmes, ils ont essayé de changer. Donc, à un moment, je donnais des petits conseils à aux uns et aux autres. Vous voyez, donc, je le faisais avant, mais avec le nouveau compte là, j'essaie de bloquer. J'évite trop qu'on ne parce que qu'on m'aborde inox. C'est juste pour que tu joues les deux dames. J'évite ça avant. Ok. Et maintenant,
revenons chez nous en Francie. Maintenant à Anse, quelle est l'ambiance qui se vit, au quotidien? Ça se passe bien? Parce qu'on sait gérer un parterre de personnes, ce n'est pas toujours facile. Encore un groupe de personnes venant de divers horizons. Est-ce que ça se passe facilement, simplement, dans la beauté? Est-ce que tous les jours c'est toujours de l'or? Ou il y a des jours où c'est mieux, des jours c'est noir, des jours c'est rouge, des jours c'est, ça prend toutes les couleurs? Ok, si vous me permettez, avant de reprendre à cette question, il y a une question que je n'ai pas répondu tout à l'heure et qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'on m'avait demandé tout à l'heure savoir entre Anse et les autres. Ouais. Je vous assure, Anse m'a accouché. J'ai fait 2 ans dans cinq réseaux sociaux. Je reviens, je tombe sur Anse via, c'était lors des élections de Nice. Il y a une candidate qui me dit, tu sais que c'est avec toi je veux gagner. Donc j'ai besoin de toi absolument. Laisse-moi résister. Il faut que tu rentres sur les réseaux sociaux. Bon, étant une personne que j'aime bien, j'ai donc décidé de l'accompagner. J'ai reçu séduit par le professionnalisme et la qualité de ce qu'il m'est présenté juste. Ouais, c'est ça qui me fait ancrer en moi Anse. Donc s'il faut dans les camps aujourd'hui, je dirais que moi c'est mon début de cœur. C'est bien ça. C'est jusqu'à la gare. Anse c'est jusqu'à la gare, la Sibianzi. Maintenant revenons à la question. Je reviens à votre question. Comme tout groupe et comme toute famille, on a toujours des moments, il y a des enfants, des justement. Je ne sais pas, il y a des moments où on ne se comprend pas. Mais au-delà de ça, l'équipe peut, des gens qui font un effort de toujours éclairer la matière. Vous voyez, il y a une transparence. Quand peut-être un membre n'a pas, on fait quelque chose, il y a un poste qui vient regarder cela. Vous voyez, ça prend du temps. Mais puisqu'ils ont accepté de le faire, sous la tutelle de la présence, bien sûr, ils sacrifient leur temps pour bien le faire, pour bien éclairer, pour bien édifier tout un chacun. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils voient une machine, elle est en train de marcher bien sur la fête. Donc moi, c'est qu'il va absolument mettre les bâtons sur les roues pour que les choses... Mais à ces personnes-là, je dis que pareil, vous encore bien, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Si un seul instant, vous le savez, c'est que non, vous aurez pris vos armes, allez, vous êtes parti. Ce qu'il faut marquer, c'est que dans la vie, on ne refuse pas les critiques. Mais nous n'aimons pas l'esprit de critique. On n'aime pas l'esprit de critique. Parce que l'esprit de critique sont des personnes qui passent le temps à dire, par exemple, cet habit n'est pas. On dit, qu'est-ce que tu proposes à côté de cet habit? La personne n'a plus rien à dire. Or, l'esprit critique, c'est la personne qui dit, cet habit bleu, ce t-shirt bleu, j'aurais sauté plutôt que tu mettes plutôt t-shirt jaune. Là, c'est, ça mène à avancer. Il y a des personnes dans la famille qui se comportent toujours comme des sous-là. Excusez-moi le terme. Qui se comportent comme des sous-là. Ouais, ouais. Qui font du bruit, qui font du boucan. Et maintenant, quand on dit, qu'est-ce que tu voudrais? Le boucan continue, ça fait problème. Il y a également des personnes qui, a priori, quand on les voit, on les considère des personnes matures. Mais qui suffit de passer dans, de les mettre à l'épreuve pour confirmer que non, on a affaire au bébé de l'école maternelle. Parce que de nos jours, que ce soit ton collègue de service, que ce soit membre de ta famille, que ce soit qui que ce soit, excusez la tautologie, chacun a sa vie. Chacun a une ligne. Personne ne portera le fardeau de l'autre. On se comprend. On pourrait, certes, il faut avoir des bonnes âmes qui viennent t'accompagner, mais personne ne viendra porter ton fardeau. Même quand tu es en cellule, on viendra dire, ouais mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh Seigneur, pourquoi ça arrive ainsi? Mais cette personne ne pourrait pas accepter de dire que non, il laisse des vibrations à ta place et que tu sortes de bas. Donc c'est un peu ça. Donc je voulais dire ceci pourquoi. Je dis ça pourquoi? Parce que l'esprit de suivisme, encore pire, le suivisme moutonnier, doit disparaître de nos jours. C'est pas parce que Willy me donne souvent à manger, c'est parce que Willy me dépanne souvent avec de l'argent de beignet, que Willy doit commettre une revue, qui doit venir en public dire que non, Willy a raison à tous les prix. Non. Je peux même le faire, mais je viens de dire Willy, à côté, parce que tu as mal fait mon frère, parce que tu as mal fait. Je viendrai te dire en public, je vais sauver Willy en public, je te dis, mais je t'amène derrière et dire Willy, c'est mauvais. Mais je ne dois pas refouler le public en disant que non, public, vous êtes l'ennemi numéro 1.
tu viens de dire, reviens dans la République, mais essaie de te comporter mieux. C'est pour ça. Donc je dis ça pour que beaucoup de personnes comprennent, parce que l'émission c'est le rencard. Le vous, ça ne marche même pas. Le vous que tu dis là, ça ne marche pas. Non. C'est du free en effet. On fait comme à la maison, on se sent à l'aise. Donc je dis tantôt, il faudrait qu'on évite l'esprit de suivisme. Il faudrait qu'on apprenne à s'assumer. Il faudrait qu'on comprenne que chacun a sa destinée. Alors, oui, maintenant, je ne sais pas, elle n'est pas trop qu'on prononce le titre. entre autres les actions de Maman Exactive, nous l'appelons Maman, parce qu'on dit chez nous, notre maman, chez nous les Bantous, notre maman n'est pas forcément celle qui nous a mis au monde, mais celle qui a entré aussi dans notre vie, nous démontrant qu'elle était capable de faire ce que notre maman faisait ou fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant aujourd'hui? J'aime souvent enseigner le fait devant quelle je le dirais toujours. Parce que elle, c'est. Elle est, je ne sais pas, même pour la qualifier, je ne sais pas. C'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Et toute personne exceptionnelle, puisqu'il a une étoile. Une étoile qui lui a été donnée par Dieu. Cette personne a toujours des égards avec l'art pour le fusil. Parce que tout ce qui brille en Afrique, on veut tuer, on veut étouffer. Tout ce qui brille. On t'a quand même laissé entendre depuis fort longtemps qu'on ne jette pas les cailloux à l'arbre qui ne produit pas. Moi, je ne peux être à vous à n'importe quel arbre. Justement. Et les justement. Leaders sont toujours combattus. Toujours, 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 toujours. Donc, ce qu'il demandait, c'est que tu lui apportes ton soutien, ton encouragement. C'est total. Total à 400%. Donc, je pars au-delà de la note. Tu dis va, je vais. Voilà. Papa Elsa, tu dis va, je vais. Je vais. Voilà. Ce qu'on a aussi oublié de mentionner ici, c'est que à côté des prix que les Miss ont reçus, avant la soirée VIP, rencontre VIP, elles ont également reçu d'autres cadeaux venant des personnes comme chef maître Macom Centris, qui est également monsieur faisant le service traiteur, et pas du traiteur de Wadam, mais du vrai, du véritable professionnalisme. On salue Centris Macom au passage. On a également oublié de mentionner que ce jour, à côté des autres surprises, boissons, mangement, qui étaient plus que ce que nous attendions, nous avons reçu des véritables cadeaux. Nos enfants également ont eu droit aux cadeaux. Bon, les enfants ne font pas partie du groupe. Je pense que j'ai pas oublié ça. Ça arrivait. J'ai mentionné d'abord cette partie-là. Ah, okay. Je n'ai pas détaillé juste. Non, j'ai bien dit ce détail-là. C'est voilà. Important. Avant que nous n'allions. Vous voyez, le François a d'organiser une grande soirée à cette dimension. Ouais. Et puis, bam, elle se lève et dit, mes enfants, j'ai les cadeaux pour vous. Elle commence à appeler les noms et donne les cadeaux. Les cadeaux fusils de partie. Voilà. Moi j'ai eu ce jour deux voiturettes pour mes deux enfants et une poupée. Sans compter l'argent. Elle a tellement fait. Justement, c'est que elle n'a pas dit mes enfants j'ai un cadeau pour vous, un cadeau pour vous. Elle dit Willy, surprise. Surprise. Tu as des trois enfants. Voilà trois cadeaux pour des enfants. Surprise là. Oh tu ne t'attendais pas. Elle appelle, elle commence à citer les noms et chacun vient là. Mais... Bon, et puis. Bien évidemment, il y a eu des personnes qui étaient jalouses. Ça ne manque pas. Des personnes, pourtant, ces personnes également ont eu des cadeaux. Donc c'était visible. Justement. Ils ont eu des paquets, mais comme l'œil de moi est toujours bleu, il est regardé. J'ai regardé pour lui, il regarde toujours à côté. Bon, désolé pour ces personnes. Ouais, mais quand à ouais, c'est. Ce qu'on va dire dans ce que tu viens de prononcer comme jalousie, on va dire que ceux qui n'osent pas cessent de combattre ceux qui se battent. Ouais. Ah, on le justement. Voilà, on a eu, je voulais te dire aussi, parce que j'ai dit mon ressenti, bien que nous soyons dans le cadre de cette émission, depuis ma naissance à la Moumé Mission jusqu'à Bamungu, Keken, arrivé dans Baré Bagem, dans le Mungon Konsamba. Arrivé à Douala faire l'université, je n'avais jamais mis la cravate. Ouais. Je n'avais jamais mis la cravate. Je vais dire merci grandement. Parce que si j'ai pu commencer à aimer les cravates odieux, c'est grâce à la soirée, c'est grâce à ma exactive, la soirée rencontre VIP du 12 décembre 2020. Qui restera bien sûr dans les annales, des annales de ceux qui aiment et de ceux qui n'aiment pas. Et on va dire
à nos amis qui souvent se battent pour nous battre, pour qu'on nous combatte. Priez pour nous. Priez pour nous. Parce que vous pensez à nous-mêmes plus que nos gens qui nous aiment. Alors, Willy, je ne sais pas pourquoi on choisit ce cadre. Moi je l'ai choisi parce que c'est où je passe mes journées. Là comme ça vous êtes dans la maison Trademark. Trademark. Ouais. Ok. Trademark c'est Trademark by Eugène Lange. Ok. C'est une maison qui fait uniquement dans les sacs à main de marque. Des sacs à main rares. Ce que vous prenez chez Trademark vous ne le verrez pas. Oui, donc. Dans les pour exports, la vente en voie à détail, comme vous voyez, ils sont des cigales de luxe, de qualité, et vous le voyez. Bon, il est vrai, tout le monde sait, nous sommes dans le macro-espace qui est bien sûr l'agglomération du littoral Douala. Où est-ce que nous sommes ici à présent? Trademark est situé au Carrefour Anatole, venant du Carrefour Anatole pour la CCA. C'est entre le Carrefour Anatole et la CCA Bank. CCA Bank, elle est juste derrière nous. Ah oh ouais. Ouais. Donc, vous pouvez nous contacter. Donc, si je comprends, le but visé était de faire un beau slap pour la boutique. Ok. Ah, merci bien. Ouais, c'est tranquille. Thank you. African queen. What has taken another extra time to create? It's a lost week. Okay. How are you doing? Perfect. All right. We're here to know more about your activities. But before that, I want to know, how can I call you? Pierre. Oh, Pierre, like Pierre Dada. Okay, tell us more about your activities. Okay, here is Trademark. Yeah. Trademark launch Mayo June. Yeah. It's situated at Anatol, California Anatol, just a few meters before the CCA Bank. Yeah. So here we sell latest bags and good prices. Yeah. Free to go and fit. So, the advantage you have is because when you buy one, you gain more than the people that will buy to go and wear. Wow. So we give you the same price we give to those who will still buy to go and sell, yeah, the retailers. Mm. So you're always welcome anytime and any day to visit us. It means that if you are come here to buy in detail, you have the same price? The same price. Like those who are coming to buy and sell again. Yes. Okay. So, what can let somebody abandon another shops to choose Trademark Mayo June? Because first of all, our bags are in good quality. Yeah. And the prices are very affordable. Yeah. Whether you buy one or two, you still have the same price those who are buying to go and sell. Yeah. So, you're always welcome. Okay, I'm not in Trademark Mayo June. I have forgotten my wallet at home. I have only my phone. I want to buy. Will I go out to look for kiosk where I can move my money, withdraw my money before coming by here? No, we make everything easier for everybody. Yeah. Whether you have your money on you or you have your phone on you, you don't need to go out like to rent, to go to the kiosk to pay. You can still pay through our mobile money, like you can see. We have it here. Ah, alright. You can pay through mobile money or through Orange money. So we receive the two of them. Yeah. So the money to withdraw here is just for buying my bike or my, I don't know what. No, you pay. Can I withdraw extra money here to go out? No, you cannot withdraw extra okay. money. Okay. So, we don't have issues. You can still pay without charges. Alright. Okay, madam. We're really pleased to be here. Yeah, here is a place to be. I feel well here. I even want to stay here forever. For sure. It's so beautiful for you to stay. Yeah. It's a beautiful place. So, what do you have to say to your customers? I'd like to say thank you for those who have been supporting us. Mm. It has not been easy, it's true. Leaving other stores to come and buy from us. Yeah. But we always make sure you're welcome and you're satisfied 100%. Okay, madam. And we thank you very much. That's really nice. Despite the fact that Corona exists, I would like to do like this. Go ahead. I want also to do this. Oh my goodness. Excuse me, laugh, you miss a video, but I don't feel. This is wonderful. This amazing. Oh my lord. Okay. As you see, you were in Trademark
I will try to speak with the beautiful girl here. She told me she's not already married. That's why I decided to make kisses, 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 kisses. Catch you the next time. Alors, Willy, j'aimerais qu'on fasse un peu une petite pression dans ce qui arrive. Dans ce qui arrive à Hans. Je vais dire nos projets futurs. Quelques mecs, non, mais on brosse juste au-dessus. On a besoin d'aller en profondeur. Ok, bon, pour les projets à venir. Bien sûr, sous la tutelle de notre présente fondatrice, vous entendez parler des Hans, puisque nous faisons dans la santé. Nous allons nous rapprocher très prochainement de certains de nos centres de santé, ouais. de points de médecine pour la santé traitée, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner ces points-là à notre niveau. Donc, comme d'habitude, nous avons beaucoup d'activités qui arrivent. Je prends un exemple, comme le concours des Miss Master. Ouais. Cette année, on vous promet que ce sera la totale. Ouais, la grosse classe. Ouais, ce sera la magie. Donc, il y a tellement d'activités. Vous voyez, ici, je ne peux pas tout dévoiler. Il faut que ce soit encore un secret. Il faut que quand on se commence, que ce soit boum. Voilà, j'aimerais à présent te laisser l'occasion de te mettre à l'aise, de te dire le micro. Et de saluer ce que tu veux à Hans. La liste, elle est tellement longue. Allons-y. Je vais chanter quoi? Y'a rien qui me passe par la tête. Y'a ma chanson? Qui me passe par la tête là. Ok, you're free. Bon, voilà. Coucou à toute la grande famille Hans. Willy Rebeau aussi, deux séries. Je passe un coucou à ma mère, la présidente fondatrice, la femme qui a cru en moi sans même me connaître. Justement. Juste une petite anecdote. Elle m'envoie un jour un petit truc, là, un visuel de fils. Je lui ai monté un visuel. Bon, c'est vrai, il n'était pas très pro. Je lui ai monté un petit visuel, il n'était pas très pro. Je ne vais pas citer tout à où elle est, avec qui elle est. Il y a un qui critique. C'est pas un visuel pro, mais pas la chaîne graphique. Elle me dit, j'aime pas ce genre de critique stérile. Voilà. Avec ça, comment est-ce que mon enfant va critiquer? Il faut accepter ce qu'il produit et puis on essaye de voir comment on peut améliorer ce qu'il a fait. Parce qu'il a créé à son niveau. Mais il faut le permettre d'avancer. Vous voyez, ça m'a marqué. Ça m'a dit, mon fils, je fais avec. S'il trouve que ce sont les caca, moi je trouve que c'est beau. Je fais avec. Donc, au-delà de ça, il y a eu tellement de choses. Et c'est une femme qui a l'écoute. C'est une maman. Parce que j'ai des problèmes, j'ai souvent des problèmes. Moi, je suis genre, on ne me connaît pas. Ma vie, il y a moi. Tu me dis Facebook, ça reste sur Facebook. Mais elle, je suis très. Nous sommes tellement ouverts. Quand j'ai des problèmes, je viens et puis elle a toujours cette manie de m'apporter un peu. Consoler, tout ça. Je sais pas, elle a une façon de t'apporter. Une épaule sur laquelle on se repose. Et puis, elle te permet de facilement trouver la bonne, la juste réponse à ton problème. Donc je lui passe un gros coucou. Je passe aussi un coucou à Judith Louis-Fonson. Maman, elle et moi, c'est affaire de longue date. Je passe un coucou également et un gros bisou à Nathalie Viviane de l'autre côté. Je reviens à maman et Evelyne. Le temps qu'elle m'a arrêté, donc, il va falloir un jour qu'elle s'explique du long de temps là. Je passe également un coucou à un monsieur qui m'a séduit. Il m'a séduit avec son micro. Et pour la première fois, wow. C'est un monument. Pour moi, c'est le roi du micro. Hein. Vous allez m'excuser, mais H, c'est à moi. Je passe également un coucou à Rony, à notre frère Rony, ensemble, tout cas. Il y a tellement de moments à Hans. Tellement de morts. Donc, si on veut citer là, ça pourrait prendre une semaine, un mois. Donc, à chacun des membres d'Hans, je vous passe un coucou et je vous demande d'être honnête, de rester connecté, d'avoir foi et de nous accompagner tout le temps, chaque jour, dans ce que nous faisons. Merci à tous. Merci. Là, nous sommes toujours avec Willy. Willy, c'est important. J'aime ça. Parce que c'est cette honnêteté qui nous permettra d'évoluer, d'aller très loin. La vie ne se limite pas dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, même si, quoi qu'il arrive,
on sera toujours ensemble. Ouais, ouais. Donc, j'ai envie, moi aussi, en tant que présentateur et membre de ANS, de saluer particulièrement René Dagoff, combattu également, mais jamais abattu. Il nous apporte de l'ambiance, il nous apporte de la bonne humeur et il prend tout le monde comme lui. J'ai envie de dire un big up à notre très cher Gladys Kelako, la Forfone. Merci pour l'ambiance. J'ai envie de dire merci à Chanceline. Chanceline Desson, merci. J'ai envie de dire aussi après toi, grandement merci à maman Judith Loefosso. C'est grâce à elle que je suis dans Anso Juju. Merci à maman Ezatius qui m'a adopté. Merci à mon amour Evelyn Nuta. Voilà, c'est du réel. Donc, ça fait un très grand plaisir d'être avec toi. Le plaisir est vraiment partagé. Et merci d'être toujours loyal, de rester toujours humble. À très bientôt. C'est à moi de vous remercier pour le déplacement et tout ce qui va arriver. Ouais. Merci grandement. Voilà, ça. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cet enregistrement, de cette émission. Nous étions avec Willy de Hans. Hans, entendez pas là. À nous la santé, ce fut un régal. Nous sommes dans son lieu de service. Ne dites pas que nous sommes venus faire la publicité, non. Nous ne sommes pas pour la boutique, mais plutôt pour récolter les impressions ou encore savoir mieux sur Hans. À très bientôt pour notre édition. L'autre édition, ça pourra s'enregistrer avec toi. Avec toi ou avec elle. Ensemble, on fera mieux.